Salut tout le monde, c'est Camille pour un nouvel épisode, l'épisode numéro 5 de Lego City Undercover, j'allais dire Lego Star Wars, moi. Pas du tout. Bluffbeard. Chase McCain. Eh, hey, ça faisait bien longtemps. Je vous ai vu ce matin. Ah ben, ça fait 6 heures. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai décidé de changer de carrière. Je suis désormais le capitaine du ferry qui transporte les vieux sacs à Rome et les bons à rien à la prison d'Albatros. Super, le ferry. Où est-il? Je l'ai coulé. Vous pourriez pas m'en construire un nouveau, si? Si. Super construction. Salut Ellie, vous savez si on a des super briques en réserve derrière le commissariat? Il faut que je reconstruise le ferry. Franck a encore essayé de le piloter? C'est surprenant, mais non. Ah? Bon, je vais encore mettre à jour le logiciel du scanner de votre communicateur. Voilà, vous devriez pouvoir utiliser votre communicateur comme scanner de données. Il vous indiquera toutes les super briques à proximité. Quand j'aurai raccroché, touchez simplement l'icône du scanner de données sur votre communicateur et suivez les instructions. Merci Ellie. Ça marche. Alors, point de sauvegarde. Je peux bouger, d'accord. D'accord, il y en a une. Je peux pas aller en prendre d'autres? Je me dis souvent que je devrais être pirate. J'ai la voix pour, après tout. J'oubliais, je suis allergique, quoi. J'ai même pas entendu. Ah merde, c'est en dessous. Bon, on va aller loot ça quand même. Il y a plein de briques là, ça fait plaisir. Ouais, si j'en oublie en plus. Oh putain, j'ai passé la marche. On a combien? Il nous en faut 15 000, bon, on est large. Eh, trop easy en fait. On loot tout. Super, ça donne rien. C'est encore plus bas? C'est sérieux? C'est dans l'eau sinon. D'accord. Elle est... Ah bah non, elle est là-haut. Je m'en fous. On loot tout. Elle m'éclate cette musique. Ah oui, bah évidemment, dans le coffre, dans le truc là-bas. Allez, voilà. Yes. Je m'étais dit qu'en tapant dedans, ça allait passer, mais non. Oui, j'ai vu, j'en ai oublié, c'est pas grave. Comment on grimpe maintenant? T'es sérieux? J'ai embêté là. Allez là, d'accord. Pourquoi tu me zoomes là à chaque fois? Salut, quoi de neuf? La merde alors? Je vais aller là-haut, moi. À là-bas, tout du moins. D'accord. Je pense que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Mais comme ça, ça a fonctionné. Yes! Hein?
putain, et... pas si mal que ça. D'accord, c'était ça. Bon, bah c'est bon, j'ai trouvé comment faire. Bon là, on en a assez, c'est bon, on s'est fait plaisir là. Il en fallait 15K, on est large. Le scanner, on a ce qu'il faut. Je pense que je vais être coincé au port pour un bout de temps. Les chances. Ah oui. Je pourrais peut-être aller voir un opéra. Eh oui, mais pas celui du Hollande et Volant, j'en garde un trop mauvais souvenir. On va y faire un. Si ça dépop, c'est abusé quoi. Ah, vous m'avez sauvé la peau. Y a pas. Regardez-moi tout ce qui est devant nous là. L'appartement. Le cap vers la prison d'Albatros. Oh, ok. On arrivera peut-être même à destination. Allez, bouge. Oh, puis les changements de vue péraves. C'est bon. Donc ça fait quoi? Voyager vers Albatros. On va juste aller dans le bateau. Voir si on voit pas le capitaine. Non. Il nous reste combien de temps? 13 minutes. On est large, on a l'épisode de... 5? Non, t'es sérieux? C'est ça. Faut que je le note, j'ai pas mon souvenir. Donc on a fait le 3, on a fait le 4, et là c'est sur le 5, c'est ça. Ok. Je suis sur la même session que la dernière fois, donc... Alors, j'ai une semaine d'avance par rapport à vous. T'as quand même un ferry pour aller sur l'île d'Albatros, quoi. La prison sur l'île, etc. C'est chaud. Donc là, c'est pour revenir. Ok. C'est sympa de voir qu'ils prennent la sécurité très au sérieux. Je crois que je vais juste m'introduire à l'intérieur et chercher Blue. Ah bah oui, faut que je le pose là, évidemment. Qu'est-ce que j'ai loupé? Je pense que je les ai tous eus. La prison la mieux servie au monde, la plus dure. Bon, on va commencer par loot un petit peu, histoire 2 par principe. J'ai vu les indices hein, quand même, vous inquiétez pas. On est à 14K, on va pouvoir faire un deuxième bateau presque. Qu'est-ce que je cherche moi? Voilà, je fasse B peut-être ici. Ah c'est ça. J'avais plus mauvais. La clé, faut que je la mette ici. Open the door. Voilà. Ok. J'essaye des coins un peu. Et on voit, ça fait bizarre, ça fait flou. Barrière ouverte. Je les ai eus. Yes.
On va juste aller de l'autre côté avant. Pour voir. Non. On va aller par là directement. Ça se trouve c'est juste un petit bonus. Bah non, c'est là. Et là si on va par là. Quelle est la différence? Quatorze mille, putain. Hey, un déténère. Ok, là je peux pas y aller. Ça, je ne sais pas comment ça se déverrouille encore. Moi, j'ai bien fait d'aller par là en fait. Je suis content. Gaëtan. Je sais pas pourquoi je dis ça. Si, c'est content Gaëtan, c'est bien de vous. Je ne sais plus. Si vous savez, dites-le moi. Je ne sais plus. Allez. Bon, ça me laisse le temps de boire un peu. C'est assez pratique les trucs. Moi j'aime bien. Les petits temps où j'ai besoin que d'une seule main. Allez, est-ce qu'on va atteindre les 15? Il me faudrait les 16 pour avoir 2 x 8 au final. Ouf, j'ai cru que j'allais être un peu juste. Yes! Non! Pas ça! Voilà. Je préfère quand tu mets des coups de poing quand même. Hein. Un clown voleur de banque? Et puis quoi encore? La prochaine fois, ce sera un singe espion. Oui, bah oui. C'est fantastique! Bah ils dorment au moins les gardes, j'en ai sûr hein. Oh ça me fait chier là, je vais être obligé de le faire évidemment. Eh ouais, bon, on va recommencer après alors, faut pas que je le loupe. Voilà, on recommence. Ah putain. Ouais mais bon, c'est important. C'est vachement important quand même. Pourquoi je suis revenu là, moi, quel con? J'étais là. Ouais, il est en train de... Voilà. Vous deviez être en train de gueuler. Ah, tiens, bien fait, là. Mais qu'est-ce que tu fous? J'ai cette musique dans la tête, elle reste. Hein. Elle est bien cette chanson, par contre elle reste. Bah, tu veux pas casser? Ah super. Ouais, parce qu'il m'en manquait un petit peu. On est au 16 000. Hein. C'est cool. Oh ouais. Bon c'est bon, on a récupéré notre truc. Vous savez que je suis pour l'instant agréablement surpris du jeu. Pas agréablement surpris. Je m'attendais, Lego de toute façon, il fait toujours des trucs de fou. Et je suis content. Ouais, ouais, j'adore les gifs. Yes. Oh, merde tout à l'heure. Ah d'accord. Normal. Non. Ouf. Yes.
Ah, bon bah me voilà au milieu. On est dans une prison, personne me connaît, personne va faire chier. Je connais pas les prisons, mais... Préparez-vous! Allez. Je sais pas si ça nous donne des trucs, mis à part les pièces. Déjà, on est plus musclé, on tape plus fort, genre en mode con, quoi. Yeah! Bon, ce qui se passe. Je déteste aller chez le dentiste. Ah là là. Ah, la prison, ça change un homme. Enfin, ça change un Lego. Oui. Pardon. Tout, défonce tout. Chambran, défonce tout. Bon, je voudrais aller là parce que je sais que là, il y a un petit cadeau. Voilà. Bim. Ouais, je suis content. Qu'est-ce? Ah yes! Putain, ça va être bon ça. Et donc là, il n'y avait rien d'autre. Donc pas de regret à avoir. Ah, on va taper dans le sac. Alors. D'accord, juste une fois. Très bien, c'est cool. C'est pour la dextérité, ça. L'agilité, la vivacité. J'essaie un petit peu de regarder partout. D'accord. Oh, on va yo faire un match flic de basket. Même si t'es un policier de terrain, t'as rien à faire sur le terrain de basket. Ouais, pas mal, mon pote. Beau maniage de la langue. Je cause bien, hein. Si c'est un terrain de basket, où est votre ballon? De très méchants types nous l'ont confisqué. Ils ne sont pas gentils. Si je vous le récupère, vous me laisserez entrer? On verra. Je te promets pas rien. C'est une double négation, ça, tu me déçois, mon pote. J'ai acheté un cadeau. Je peux passer par dessus? Non. Bon mec, il est où ton ballon? Sale flic. Putain, j'ai la chanson dans la tête, bordel de merde. C'est cool, j'arrive à me mettre de l'avance. De très méchants types l'ont pris. Ah. C'est bon, oublié. Je vais faire 3 jours de voyage. Je mérite une promotion. C'est quoi ça? Voilà. Attrapez-les. Vas-y, mais juste 3 jours. Ça servait à quoi que j'aille là? Quasiment rien. Ouh, j'ai failli marcher dessus. Bon, je gardais pas grand chose. Wouah! Oh yes! La réception est un peu. Et là, il faut que j'aille de l'autre côté. Tant pis, on va voir ici. C'est les méchants types qui l'ont pris. Oh, les vilains, les fripons! Vas-y, faut les défoncer. Tu vas regretter de m'avoir rencontré. Tu vas te prendre une volée, toi. Eh ben allez, en garde. C'est bon. Dis à mon avocat de faire comme d'habitude. Je connais le chemin de la prison, merci. Attends, la mesure. Vieux félou. Ah, non, alors. On tape avant et on réfléchit après. Hein. Le ballon il va repop. Là d'accord. Bim. Oh, je ramasse tellement de trucs, c'est super agréable. Ah, agréable. Ah, c'est bien. Donc comment on sort maintenant? Est-ce que je peux monter avec un ballon maintenant? Oui. J'ai tellement soif. S'il m'arrivait encore de détourner l'argent des payes. Tu l'as? Ça c'est cool. C'est maintenant cool. Tu peux rentrer. Une voiture de sport rouge.
Bon, et si je pète les paniers? Ah non, je pète pas les paniers, mais je peux jouer au basket. Yes. On va jouer sur celui-là. J'appuie sur B. Je me sens pas bien. Du nouveau? D'accord. Avec dans les trois. D'accord. J'ai eu un peu peur à un moment de devoir mettre les 20 et quelques là. Mais non, j'avais juste 21 essais pour en mettre 3. Ah bon, bah je l'ai pas fait exprès. Hey, c'est vous, Blue? Ouais, fiston. Ce qu'il en reste. Je m'appelle Chase. On m'a dit que vous pourriez avoir des infos sur Rex Fury. Rex Fury? Ce type a une dette envers moi. Pour l'avoir aidé à s'évader? Oh, pourquoi aurais-je fait ça? Rex était mon meilleur client jusqu'à ce qu'il disparaisse, sans m'avoir réglé son bain bouillonnant. C'est pas évident d'en faire entrer un ici en douce, tu sais. Tiens, en parlant de ça... Attention à la nouvelle voiture de Haywood! Ouais, ouais, Blue! Alors comment Rex s'est-il évadé? Ça, tout le monde se le demande, eh ouais. Mais personne ne peut entrer dans sa cellule pour le découvrir. Pas même la police. Bizarre, ça. Mais nous voulons tous les deux que Rex soit ramené ici. Et j'ai une idée. Va récupérer des fringues dans le placard de ma cellule. Je te rappelle ensuite pour te donner plus d'infos là-dessus. C'est un croissant. Nous n'avons pas le droit d'avoir un téléphone ici. Le téléphone est dedans. Fourzy ton numéro. Ah. Voilà. J'espère que ton plan va marcher, Blue. Hey, Freeman, je me sens pas bien. Mais non, non, je t'ai déjà dit, je suis pas Freeman. Ces avocats pourraient nous observer. Qu'est-ce qui t'arrive, Haywood? T'aimes pas ta nouvelle voiture? Voiture? Bon, eh bien, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter, je pense. C'est ça. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. Mais qu'est-ce que tu fais encore ici ?